lui fabriquer comme ça, comme des choses, comment dirais-je, comme des poulets de chair, des artistes, à peine même on peut savoir que c'est des artistes, artistes qui articulent deux trous en même temps couplés, qui est soufflé comme s'ils ont déposé lacrymogène dans son visage là. Va venir se comparer à nos icônes, tout ça c'est nos erreurs. Donc, chers Ivoiriens, venons réparer véritablement les erreurs que nous avons causées hier. Le problème, même Didier Congélateur est plus aimé qu'à Poutou dans la musique. Tout le monde lui sait. Didier Congélateur, c'est quelque chose de naturel. C'est clair. Ça, c'est la vérité. Pour Didier Congélateur, c'est quelque chose de très et plus que naturel. Voilà. Donc, nous en appelons à tout à Côte d'Ivoire. C'est le vendredi. Didier Congélateur est 2000 fois plus mieux qu'à Poutou National dans la musique. Congélateur, c'est un jeune garçon à caillou dans mon oreille. Mon oreille, c'est dans mon téléphone, écoute. Voilà. Sinon, caillou dans mon oreille. Mon frère, ça brûle feu, hein. C'est amusant, hein. Caillou dans mon oreille. Poulet devient quelqu'un. Molo, poulet devient quelqu'un. C'est rempli dans mon téléphone, oui. Mais le monsieur de la Poutou n'est pas dans mon téléphone. Vraiment, j'ai écouté ton débat, j'ai la lumière, mais Deborah, il le mérite, c'est vraiment, il le mérite. Parce qu'aujourd'hui, même le seul même qui reste dans la coupe de l'air, comme un artiste talentueux. Moi, quand on voit Deborah chanter même en live, comme truc, on sait que c'est quand même, le talent même, il est en lui, en fait. Deborah est très talentueux. Depuis autant, moi, normalement, là, bon, c'est maintenant, ils ont fait sortir 10 ans. C'est maintenant, même, le ministre de la culture, voilà, a compris. Voilà, maintenant même là, on donne les 10 doigts d'abord. C'est maintenant même, les gars valorisent les artistes ivoiriens maintenant en Côte d'Ivoire. Sinon, avant là, il n'y avait pas tout ça là. Bon, maintenant, il voit un des trois, il a vu Dribé. En est-ce passé, non? Ils ont donné 10 doigts. Et je ne sais pas si c'est 10 doigts ivoiriens, je ne sais pas si c'est 10 doigts français, c'est pas, mais ils ont donné 10 doigts. Tout ça là, c'est pour les encourager. Rosine l'a aussi appris. Tout ça là, c'est pour les encourager. Mais les Rosine l'a appris, les Dribé sont venus trouver les débuts de la trace, tu vois. Donc d'une part aussi là, souvent c'est vrai, ça fait mal, hein. D'une part, quand il me met à sa place là, souvent ça fait très mal. Bah, les débordés comme ça, ils ont commencé à chanter depuis 2008. Mm-hmm. Quand il voit Lek Mango fit avec Arafat, avec les Sefas, c'est Seigneur que ils ont toute l'Afrique de l'Ouest à écouter. Faut dire depuis 2002. Voilà, il depuit quand il depuit 2002. Ok, tu vois toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui connaît pas Arafat Debordo, qui connaît pas son les Sefas, c'est Seigneur, qui connaît pas Mango. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, il a enchaîné des tubes, des hits. Il a enchaîné des hits, des tubes. Tu vois, mais aujourd'hui, quand je vois la vie, ça m'a fait très mal. Quand je vois la vie de Debordo aujourd'hui, ça m'a fait très mal. Mais aujourd'hui, Dieu merci aujourd'hui, il y a certains qui prennent conscience. En tout cas, ils ont compris aujourd'hui le combat de Debordo. En tout cas, c'est nous seuls, on peut les soutenir. Nos artistes, c'est nous seuls, on peut les soutenir. C'est vraiment dit, hein. Voilà, donc c'est le moment qui est là. Les 2 millions de vues là, c'est 2 millions de vues, mais c'est petit vieux. Voilà, c'est petit. Debordo, il ne mérite plus que ça. Actuellement, il est le seul ancien actuellement. À ce moment, tête dure, qui est dans la coupe décalée. C'est ce que m'a dit. Il a trop fait. Voilà, mais chacun a son heure de gloire. Voilà, chacun a son heure de gloire. Voilà. Quand je vois les kérosènes, bon, oui, bon, les trucs étaient là, les kérosènes étaient là, mais après, quand le kérosène est parti jusqu'à, bon, après, le kérosène est venu, bon, il est venu encore, il a moussé plus que les deux. En tout cas, bah, c'est ça, il dit là, les trucs, les kérosènes, quand je vois les kérosènes, les miss premiers, là, ils ont eu, et puis ils ont eu encore plus de trucs, je sais pas comment vous expliquer, plus de trucs que Debordo. Alors que Debordo, ils ont commencé il y a longtemps, très très longtemps, ils étaient dans le mouvement, ils ont. Vous avez plus de succès que qui? Hein? Vous avez plus de succès que qui? Non, bon, je parle en termes de. Je ne sais pas comment t'expliquer. De Bordeaux, il n'y a pas de Miss Premier. Non, mon frère, il faut arrêter ça. Il ne faut même pas chez lui de Bordeaux même. Même Kérosène, même, vous ne voulez pas chez lui de Bordeaux. De Bordeaux, puis à la fois qu'ils ont été les Nandia, là, toi, t'as vu t'amuser. Pourquoi les Nandia ne se retrouvent même plus? Non, c'est ça. De Bordeaux, c'est pas parce que avant, là, avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les choses. C'est ça qui montrait. Mais quand il n'y avait pas Internet, là, il n'y avait pas les choses là, mais forcément, ils ont fait du sale, hein. Voilà, tu vois. Donc, avec tous ces talents de Debordo là, aujourd'hui, quand je vois Debordo aujourd'hui, il est comme ça, moi, quand je vois sa vie, vraiment, moi, ça me fait très mal, ce que je m'a dit. Moi, autrefois,
comment il a vu Malos sortir en train de montrer sa voiture, sa maison pour dire que de vrai, ce serait mettre le jeu, hein, moi ça m'a frustré, ça m'a tellement fait mal. C'est ce qu'il m'a dit. Donc c'est maintenant, voilà, c'était ça. C'est maintenant, il faut soutenir nos artistes. De vrai, il mérite plus que ça. Les 2 millions là, on doit lui donner plus. Il le mérite, vieux. Voilà, il le mérite. Merci. Président, vas-y, faut la chérie. Je disais, en fait, la plupart les dieux de la musique ivoirienne, et tous ont appris la musique, hein. De Dissa à Poutou. Tous ceux qui sont les dieux aujourd'hui de la musique ivoirienne, aujourd'hui, tous ont appris la musique. Et tous, ils ont appris un peu. Aujourd'hui, là, ils sont les meilleurs. Ils ne sont pas levés comme ça pour sortir. C'est quel artiste ivoirien m'a dit qu'il est debout, il est mal fort, et puis il n'a pas appris. C'est une seule personne. Ça n'existe pas, en fait. Dites à Poutou qu'il a qu'à apprendre la musique, c'est très important. On ne se lève pas comme ça pour faire la musique. Là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tu dois comprendre même la musique. Quand tu aimes la musique, là, tu dis que ton rêve, c'était de chanter. Mais tu vois que tu es connu. Il faut aller partir. La vie n'a pas fait de honte dedans. Tu t'en apprends auprès de quelqu'un. Tu choisis un mentor parmi les grands là. Tu te colles. Tu cherches à comprendre. Tu cherches à attendre. Ils vont te montrer beaucoup de côtes. Est-ce que tu comprends? La vie, c'est comme ça. La vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. Tout le monde a appris. Viens t'expliquer. Même quand pour les Congolais, tous ceux-là ont appris. N'importe qui. Papa Wemba, à un mois avant son décès sur le podium de Femia ici en Côte d'Ivoire, il était au micro d'un média là et il disait qu'il était encore, il était étudiant, hein, comment dire, musicien. Il allait payer l'argent. Papa Wemba, faut regarder, hein, quand il dit un mois avant son décès sur le podium de Femia là, regarde déjà, quelqu'un qui a déjà chanté, qui a fait de la gloire, il dit, il est allé apprendre la musique classique dans une école de musique française. Tu vois un peu de quoi il s'agit? C'est pour te dire que, effectivement, si Papa Wemba peut aller encore apprendre la musique, toi, Poutou, qui ne connais rien de la musique, il fallait qu'il parte commencer d'abord à apprendre la musique, soit à l'INSAC ou à chose, faire les cours du soir, jusqu'à ce qu'il vienne, voilà, ce serait encore mieux même qu'il vienne se foutre des Ivoiriens pour, tu vois ça. On dit qu'on a fait Zamoué. C'est quoi tout ça là même, Côte d'Ivoire? Non, vraiment. C'est bizarre, hein. Vas-y, président. Même s'il ne va pas à l'école là, c'est pas grave. Même s'il va t'apprendre au moins auprès d'un mentor, il se colle à ce mentor là un peu. Parce que les gens te connaissent déjà. Tu choisis un bon mentor là-bas, te colle à lui un peu. C'est pas de chanter avec les grands qui va montrer que tu vas t'en. Non. Il faut connaître même la musique d'abord, même. Même quand n'importe quelle musique aujourd'hui, tu peux chanter dessus. Est-ce que tu comprends? Tu peux chanter. Quand tu chantes la mansèque, franchement, toi, tu as appris. Même quand tu parles les Arafat, tous ceux-là, ils ont appris. Hein. Ils ne sont pas levés à matin. Même quand lui-même, il était là encore, même pour être arrangeur, il était obligé d'apprendre. Apprendre encore. Pour devenir encore, pour se performer encore. Tous ceux-là, ils ont appris. Ça, ils sont les numéros un. Ça, quand tu l'envoies de n'importe quel style, tu l'envoies n'importe où, ils peuvent chanter. Ce n'est pas pour ne rien, ils ont appris. Auprès des gens, ils ont appris. Et puis continuer d'apprendre encore. Même les gens même qu'on ne connaissait même pas, ils apprennent encore près des gens même qu'ils ne connaissaient même pas. Mais aujourd'hui, toi, tu vas te lever en même temps, comme si, en même temps, sortir en même temps. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. On apprend près de quelqu'un ou bien on apprend près de temps en temps. La vie, c'est comme ça. Hein. Il devait en profiter pour pouvoir apprendre. Même s'il chantait 2 morceaux, 3 morceaux, il était près des gens, il apprend. Pour ses défauts, c'est temps en temps. Et puis lui-même, là, il va essayer de mettre. Parce que moi, je sa manière de chanter, franchement. Ça ne me casse pas, quoi. André, il parle dedans. Il ne sait pas si je chante ou bien il parle. Il ne sait pas. Mais franchement, Abou, c'est un enfant. Il ne peut pas le dire parce que c'est un enfant. Si on passe le temps même à dire son nom dans l'œuvre, c'est entre les deux noms. Là, Abou, même là, souvent, même les seuls conseils, ils vont passer leur temps devant la porte de chacun. C'est-à-dire, ils vont faire sortir les gens en bris pour aller dans le conseil. Force. Même pour vous, allez, pour donner un ticket aux gens, ils vont se promener pour donner un ticket aux gens en bris. Là, le père d'avant, comme ça. Hein? Oui, vas-y, mon frère. Ah. Pour faire conseil, même là, ils vont se promener de porte en porte. C'est-à-dire, ils vont de porte en porte. On va, il y a mon conseil. Ils vont te faire sortir en bris. Alors que, c'est-à-dire, force.
Là, Abou Diallo, c'est un enfant, ça. Quand on parle des trucs, là, on va dire pas Abou Diallo. Abou Diallo, lui, c'est un flag. Il peut être comparé avec les Tesco. Là, on peut comprendre. Le Pitesco, il sait pas, ils ont aucun problème. Il peut faire les triplets bêtises. Mais faut pas y arriver. Mon frère, faut pas le comparer. Mon frère, pardon. Tesco, pardon. Tesco est plus fort que lui. Pardon. Tesco, c'est un hit. Non. Tesco, non, mon frère. Tesco, c'est une légende. Non, mon frère. Tu sais, Tesco, c'est parce qu'il est dans les trucs de buzz, tout ça. Sinon, Tesco, le dernier morceau qu'il a sorti, là, il est bon, hein. Mais comme lui aussi, il s'est fait, comme lui aussi, il est dans tout, là. Donc, du coup, il se prend pas au sérieux aussi. Son dernier truc qu'il a fait sortir, là, c'était bon, hein. Maintenant, Apuchou, là-haut. Lui, on l'a connu dans Partager, Partager. C'est pas mieux, il va retourner dans ça. C'est dans C'est comme nous, on est là, fait la fête. C'est dans ça qu'on connu. Non, voilà. C'est dans ça, lui, on l'a connu. Et puis, quand il est venu en tant que légionnaire. Maintenant, 1, 2, 3, tu vas venir te comparer à ce légionnaire-là, ça va pas, non? Lui, il peut dire quoi? Au lieu de payer 10 millions au Congo, là-bas, là-haut. Et en plus, encore, après, tu m'envoies que l'on me connaisse d'abord, c'est pas passer pour un légionnaire, c'est ça, non? Ben oui, quand il est venu en tant que légionnaire, je l'ai donné, il est venu même sur Facebook dans Partager, en tant que légionnaire. En tant que le premier, le président même des légionnaires. Maintenant, je comprends pas, il va dire quoi? Et puis, il a eu un froufou, Debois, à un moment là. Debois a dit son vrai nom. Et tu sais, Debois 2, il marche pas ces moments, c'est ce qui me plaît chez lui. Il n'a jamais voulu aller lécher les, excusez-moi du thème, il n'a jamais voulu aller brosser les pieds de chaque personne dans les bureaux. En fait, c'est ce qu'on lui reproche. Lui, il dit, oh, c'est quoi les gens disent bas, là. C'est ce que Debois dit, oh. C'est ce qu'ils aiment pas. Ah, pourtant, dans le showbiz, tant que tu vas pas lécher l'herbe, je ne sais pas quoi, là. Ils vont jamais t'élever. Ah, Debois, là, c'est ce qu'il a dit. À chaque poste qu'il fait, il a toujours dit, il y a Dieu dedans. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est pas pour rien. Ce qui se passe, là, c'est pas pour rien. Hein. Il est très spirituel. Même ce qu'Arafat faisait, tout ça, la paix à son âme, là. Il n'a jamais été d'accord. Debois n'est jamais entré dans du faux. C'est Dieu seul qui est fort. Si Dieu est vraiment Dieu, que Dieu fasse que cette opportunité-là continue sur Debois. Que Dieu fasse qu'il soit décoré. Que Dieu, en tout cas, prions pour lui. Il a trop souffert. Debois a eu tellement d'épreuves. Il a eu trop d'épreuves. Il fait un accident très grave. Il a perdu ses danseurs. Il a perdu son meilleur ami, qu'on appelait Arafat. Donc, ça l'a cassé psychologiquement, mais il n'était pas bien. Abouchou, il est sorti. Abouchou, c'est dans Partager, on l'a vu, mettez les cœurs. Sa serviette blanche. C'est dans ça, on l'a connu. Lui, il va venir dire quoi ici? Ah, pardonnez. Allez vous abonner sur YouTube, s'il vous plaît. Ok, Frédéric. Oui, vas-y. Oui, bon, j'aime. D'abord, bonsoir, c'est RS Vérité. Seulement qu'il a changé de nom. C'est RS Vérité. Oui, il y a Vérité, il y a deux jours, hein. Ouais, Yeri. J'étais souffrant. Maintenant, Dieu merci, ça va. Dieu merci, non, vraiment, frère, j'aime. Bonne arrivée. Et, j'aime, d'abord, pour commencer, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne longue vie, Dieu te donne la santé et Dieu te donne beaucoup de succès. Et que Dieu fait aussi que chez nous en Côte d'Ivoire ici, tu sois aussi un grand pour qu'on puisse manger au moins un peu de riz à côté de toi. Bon, bref, tu sais, j'aime, tu sais que pour moi là, je ne laisse pas refroidir. Hein. Moi quand mon frère est chaud là, il tape en même temps. Hey, mon frère, avant que ton cœur vienne chaud, j'aime, tu es à Abidjan ou bien tu es à Paris? Non, je suis à Benjaville. Il dit que je suis une gueule. Ah, bon. Veuillez s'abstenir. J'aime Abidjan là-bas. On sait jamais. Non, il n'y a rien. Il n'a qu'à parler. Il n'y a pas de bruit. Moi-même, je te parle. Eh, vas-y, mon frère. Faut tout dire. Tu sais, d'abord, je vais intervenir dans le respect et dans la courtoisie, comme je le fais tous les jours. D'abord, même, j'aime. Tu sais, encore, tu vois ici, là. Nous sommes un carrefour de la musique. Hein. Nous sommes un grand carrefour. Moi, je n'arrive pas à comprendre que c'est nous, on a fait debout les Congolais, tous les grands du Congo, là. Les Papa Wemba, les Kofi Olomide, les tout cela. C'est la Côte d'Ivoire qui les fait debout. Maintenant, pourquoi n'est pas fait debout notre artiste? Parce qu'on a tellement de la haine dans nos cœurs que quand son étoile veut briller, il y a un individu qui soit à côté pour venir éteindre son étoile. Mais pour Debordo, cette fois-ci, là,
Il y a la main de Dieu dedans. Il y a la main de Dieu dedans. Parce que j'aime. Je sais qu'il y a la main de Dieu dedans. Puisque toi-même, tu es béni. Tu es béni. Tout ce que tu fais, tu parles. Il y a la bénédiction dedans. Donc moi, vraiment, c'est le seul Ivoirien d'abord qui est sorti pour demander d'abord la permission aux autorités de donner le stade Félix Houphouët-Boigny à Desbordeaux pour que le message n'ait pas passé. Parce que pourquoi? Il faut qu'on montre aux Camerounais que Desbordeaux, là, il y a longtemps, il est dans la musique. Donc nous, la population ivoirienne, on doit le soutenir. Il doit être en bas. C'est-à-dire qu'on ouvre un parapluie et Desbordeaux en bas. C'est-à-dire nous les Ivoiriens, tu vois par la pluie là, quand tu es sous par la pluie là, tu vois les grains de pluie là, ça ne te touche pas. Donc nous les Ivoiriens là, on doit le soutenir, on doit parler fort. Parce que Desbordeaux là, il y a longtemps, il est dedans, il est dans la musique. Et puis Desbordeaux aussi là, grâce à Desbordeaux aussi, il y a Chalène qui l'a fait là, ça a réveillé la Côte d'Ivoire encore. C'est-à-dire que Desbordeaux a fait sortir le nom de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est un monument.